Du coup, récapitulatif. Nous sommes en manque d'hommes. On vire tout ce qui est en entraînement. Parce que l'air de rien, on a 910 000 hommes en entraînement. C'est quasiment 1 million. Hein. En même temps, on en fait tellement. On va virer tout ça. Boum. Sinon, on en fait 206 000. Tout ça, c'est de l'américain. Donc, on le laisse. Ici, on est sur de paratroopers. On en a déjà. Hein. On en a 13. Donc, pour l'instant, on peut virer. Et ça, c'est du chinois. Donc, on peut laisser. C'est pas très grave. C'est pas notre force militaire, nous. Hein? Là, tout va bien. Ce qui fait qu'on a récupéré un peu de réserve militaire. Et donc, on va pouvoir renforcer les lignes. Parce que on a nos lignes qui manquent d'effectifs. Et c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir résister aux différentes poussées ennemies. Tu vois, ils viennent se repositionner là. Ils sont en train d'avancer par le nord. Mais en même temps, à côté est, ici, on est en train de percer. On est en train de passer. On est en train de faire un petit peu des choses. Hein. Ça, c'est positif. Là, on a. Bah, c'est pas mal aussi. On a enfermé. Donc, y a même les Français qui ont été enfermés. Ici, bah, pareil au final. Hein. La Russie qui est en train d'avancer. Donc là, tout se passe bien. On va peut-être potentiellement pouvoir couper ici. Et bah, ici, pareil. Hein, j'ai envie de dire. Nos Chinois sont en train d'avancer. Et vont pouvoir prendre les territoires au fur et à mesure. Il va falloir qu'on vienne soutenir ici parce que clairement, le nouvel empire mongol nous crée des soucis. Ouais, ok. Du côté ouest, j'ai l'impression qu'à part là, le reste, c'est quand même assez tenu. J'ai l'impression que c'est même plutôt très très bien. On pourrait parfaitement avancer là, mais on va pas le faire. On va laisser plutôt les lignes se renforcer. Ici, on a la marine, on va essayer de débarquer là, je pense. Pour contourner. Là, ça me semble pas mal. On pourrait avancer ici. Ce serait pas mal du tout. Ce serait pas mal. On va laisser juste les effectifs se refaire. Hein. Et après, on pourra push. Je pense qu'après, on pourra push. Ici, on s'est enfermé. Ce qui serait pas mal éventuellement, c'est de. Genre de partir comme ça. Pour aller chercher Riga et se poser sur le port. Comme ça, si on peut ne pas mourir, ça peut être bien. Ça peut être bien. Toi, ce serait bien de rentrer par ici. Si t'as le temps. Si t'as le temps. Et puis voilà, donc on rappelle que nous sommes en guerre contre l'Axe. L'Axe représente globalement le monde. Et moi je représente République des Deux Nations avec Russie, Chine et États-Unis, enfin Amérique, en état fantoche quoi. En état fantoche. On essaie de faire en sorte que le Mexique nous rejoigne, mais j'ai l'impression qu'il ne veut pas trop. Hein. Donc ça va être compliqué. Et nous sommes aussi en train de faire un coup d'état, c'est vrai. 11 janvier 1953, donc c'est pas maintenant. En Hongrie. Ce qui voudrait dire que la Hongrie deviendrait potentiellement membre des royalistes. Et ça, ce serait bien. Et ça, ce serait pas mal. Ok. Bon, on a récupéré déjà de l'effectif. Et ça, c'est bon. Là. Exportation limitée, ok. Mobilisation totale, très bien. C'est très bien, j'ai envie de dire. Pas besoin de changer quoi que ce soit. Hein. Ici, on a quelque chose. Terroriste à rien. Ouais, on s'en fiche un peu. Ici, on a des recherches dispo. Est-ce qu'on a quelque chose à faire en recherche? Je fais un petit bilan parce que ça fait un moment que j'ai pas joué. Il me semble qu'on globalement, on avait tout fait. Les doctrines, c'était good. Ouais, ok. En marine. La marine, c'est good aussi. Ici, c'est good aussi. Les avions, bah, on peut faire ça. Hop, ça part là-dessus. Ça sert à rien, mais ok. Très bien, un petit play et on voit ce que ça donne. Sachant que ici, ce serait bien que ça push pas. Voilà, on résiste. Et là, on a du coup nos divisions qui vont se renforcer. Ce qui peut être une idée sympathique, quoi. Ce qui peut être une... Bon, on va perdre certainement les divisions qui sont là. Ce qui peut être une idée sympathique. Pour l'instant, on arrête de push. On va surtout s'occuper du front ouest. Parce que c'est le front qui peut faire la diff. C'est le front où ça peut faire des trous, quoi. Tonto! Tu peux avancer là, hein. Tu peux avancer ici. Oh, regarde là, y a rien. Y a rien, ils ont pas d'hommes, rien. Mais pourquoi je push pas, là? Il faut que je push sur le front est. Hein. Je push sur le front est. Faut que je push, parce que... Ils ont lâché le front ici pour aller défendre... Bah, de l'autre côté. Tiens, cours ici, toi. Cours ici.
Là, il n'y a pas de... On vient couper là. Comme ça, ce qui veut dire qu'ici, il n'y a pas de port là. Hein. Non, ici, il n'y a pas de port. Donc ça, là, si on a coupé là, tout ça, c'est vide. On n'aura plus qu'à avancer, quoi. C'est quoi tout ça, là? Ah ouais, non, mais tu vois, c'est très très long. Ah oui, c'est la misère. Oh là, c'est la misère. Hein. Ici, c'est, j'avoue que le front russe... c'est un peu la misère. Hein. Faut absolument qu'on récupère tout ça. Pour être tranquille, quoi. Je pense que les Chinois sont pas nécessaires ici, au final. Je suis en train de me dire. Je vais peut-être plutôt les mettre sur le front. Empire mongol, là. On est en guerre contre les Chinois. Ah ouais, ouais, on est en guerre contre eux aussi. Oh la vache, tout ce qu'ils ont mis ici. Ouais, mais t'as pas de ravitaillement, mon grand. Hop, hop, hop. Non, 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 non. Beaucoup trop. Attends, attends. Je vais faire un... Ouais, non, bah je vais te laisser là, mais... beaucoup trop grand, pépère. Hein. Tu vas pas te mettre au nord, ça n'a aucun intérêt. Passe par le sud, et puis c'est tout, quoi. Ouais. Positionne-toi là. Et t'as plus qu'à percer. Si on finit là, on est très très bien. Zbjurka! On va faire ça. Vous attaquez pas, vous. Ah, parce que vous êtes en positionnement. On va chercher les Hindenburg. Et viens rejoindre ici. Avec ça, on est content. Zbjurka! Je peux faire un tout droit là, on verra après ce que ça va donner, quoi. Ici ça se déplace, et si ça se déplace c'est peut-être parce que ça limite les forces ici. Et on est bien là, on est bien. Parce que là on s'est rééquipé sur ce front. On s'est rééquipé, on a remis des gens. On va push comme ça. On va push comme ça. Et vous, vous faites quoi? Vous, vous avez push comme ça. Parce qu'on est en guerre contre eux là aussi. Hein. Yes. Ok, ça marche. Le problème, c'est que si t'avances, t'auras des problèmes de matériel. Bah, le problème, c'est pas... Non, je pense pas que ce soit un problème, en vrai. Parce que l'objectif pour moi, c'est d'en finir et de rejoindre les deux. Une fois que j'ai rejoint les deux, j'ai plus qu'à m'occuper du front ouest. Après, c'est peinard. Hein. Après, c'est peinard. Hein. Le seul truc, c'est qu'il faut que la Chine tienne en bas, là. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils pushent pas, tu vois. Qu'ils viennent pas récupérer ça. Pour enfermer lui, par exemple. Ça, ce serait une idée. Ça, ce serait une idée. On a un pacte de non-agression avec la Grande-Bretagne aussi. Et d'ailleurs, ils nous envoient des âmes, toi. Toi aussi, quand tu fais une partie, tu finis en guerre mondiale parce que c'est tout le monde qui est le garantit. Ah non, 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 pas du tout. Non, non, moi j'étais avec l'Axe, j'ai lâché l'Axe parce que j'avais envie de lâcher l'Axe. Zbjurka! Ouais, c'est ça, on est en train de faire paniquer. C'est bien. Offensive. Ils sont 12 ici, là! Ça fait pas beaucoup? C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va pouvoir repush. Ici, on est en train d'avancer. Toi, tu fais l'avancée que je t'ai dit, là? C'est pas toi qui l'a fait. Tu viens là. Et je pense que vous... Ah, c'est pas vous. Ah, j'ai une ligne de front beaucoup trop grande, là. Hein. Qui c'est? Elle fait quoi, ta ligne de front, à toi, là? Elle est pas très claire, ta ligne de front, hein. Bon, je sais rien, on verra, on va s'arranger. Rodina, merci beaucoup, bienvenue. Oh non, mais c'est très bien ce qui se passe. Ils ont lâché ici. Là, c'est lâché aussi. Là, je vais attaquer comme ça. Le reste, ça avance. On se repositionne, les gars, on est bien. Il y a le front russe ici, on a un souci défensivement, mais ça va en vrai.
Enfin, ils ont été obligés de se repositionner en vitesse. Ils ont été obligés de se repositionner en vitesse. On va chercher ça. Ici, on est en train de repusher. Donc, très très bien, j'ai envie de dire. Très très bien, j'ai envie de dire. Ici, on avance là ou pas? Ouais, on va pouvoir rejoindre là. Attention, tiens le coup, il y a le ravitaillement qui arrive! Tiens le coup! Oh, t'es mort! Ah, il est mort. Ah, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. On a fini avec l'avion ici. Ok, plus rien. Les doctrines, c'est pas encore terminé, mais bon, voilà, c'est en train de se faire. Ici, tout est fait. Et ici, tout est fait. Bon, bah voilà. Retour de Roy. Eh, bonjour, Liliorka. Ouais, on est de retour. On est de retour après un petit week-end tranquillou. Oh my god! Ah ouais, si on passe là, ici il y a pas de port. Hein. Ici il y a pas de port, hein, les gars. C'est pas mal. Hein. Attends, je vais faire ça. Attendez, je vais faire ça. Il faut que vous avanciez partout où vous pouvez avancer. Et ici, on a eux qui sont mis en position. C'est pas eux? Attends, c'est qui? Qui c'est qui s'est mis là, là? J'ai mis qui sur... Ah, c'est lui? Ah oui, d'accord. Ah, mais vous êtes pas du tout en position encore, vous. Ok, tu vas faire ça, prendre ça jusqu'à Ulaanbaatar. Une fois que vous serez en position, on sort bien. Là, ils tentent de contre-attaquer, mais c'est compliqué pour eux quand même. Ici, on a les deux divisions qui arrivent à tenir à peu près. On sait pas trop comment elles font, mais c'est très bien. On a des Anglais qui sont en train de nous soutenir. Ici, c'est pareil, hein, là, les gars. Hey. Vous avancez, là? Mais non, vous avancez pas, en fait. Vous vous mettez en position. C'est pas bien ce que vous faites. Hein. Go, faut avancer là. Hein. On enferme les gars. Hein. C'est ça qu'il faut. Hein. Faut enfermer. Hein. Hein. On se met en position et on l'enferme. Ah non, c'était bien ce que tu dis toi. Pain, pain, pala, 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 pain, 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 pain. Ok, pas mal. Non, reste là. Et toi, tu vas venir là plutôt. Ouais, non, c'est bon, c'est ce que tu es en train de faire. Ils sont en train de se repositionner. On est en train de repush. Hein. On est en train de repush. Ici, on a de quoi tenir, donc tout va bien. Ici, on a des paras en cas de pépin. Ah là, ils sont réussi à se remettre en position quand même. Hein. Ils ont réussi à se remettre en position. Ils ont même réussi à push un cran là. Faire un stop peut-être faire un stop front nord. On va d'abord s'occuper de l'est. Arrêtez vous les gars, il y a quelque chose gassé. Arrêtez vous là, arrêtez vous, arrêtez vous. C'est bien ce que vous avez fait, bravo. Vous avez réussi à repousser très très légèrement. On a deux gars ici qui sont enfermés, voilà, hein, ils finiront par mourir, tant pis pour eux. Fallait pas être là. Et ici, on essaie d'abord de rejoindre. Si on rejoint là, il n'y a pas de port. Hein, de toute façon. Donc, zéro ravitaillement. Donc, tout ça, ça meurt. Tout ce qui est là, c'est fini. Faut juste qu'on arrive à venir prendre... après, Gouriev n'est même pas nécessaire. Hein. Gouriev n'est même pas nécessaire. Hein. Ce qu'il faut, c'est venir juste fermer pour bloquer le ravitaillement, quoi.
Ici, on est en train d'avancer. Avec la cavalerie, bien sûr. La cavalerie qui fait toujours la différence. C'est beau. Ça lag, hein. Il y a tellement de monde. Ici, ils sont en train de récupérer. Ils nous tuent nos deux divisions. C'est pas très grave. On poussera plus tard front ouest. Hein. D'abord, finir le front est. Si le front est fini... J'ai envie de dire, il n'y a plus de soucis. Hein. Mais non, mais pas du tout. Mais pourquoi tu passes par là? Igor Piotrowski est blessé. Mais du coup, les Allemands se retrouvent en une ligne de front double, ce qui les empêche complètement d'être ravitaillés. Et ça donne plus d'occasion de les mettre dans une poche. Bonjour Lustig et bonjour Wassim. Oui, non, mais clairement. Hein. Non, mais là, de toute façon, ici, ça va terminer. Hein. Ça va se finir, c'est sûr. Ça va se finir, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Ici, ils essaient de push, mais bon, ça tient. Ils ont mis tellement d'hommes, là. Oh, attends, j'allais dire, attends, je m'entends pas bien avec l'Iran et l'Afghanistan. Pourquoi je m'entends pas bien avec eux? Mais non, tout va bien. Tout va bien. Faut juste pas qu'ils arrivent à prendre ça, parce que sinon, ça leur fait une ligne de ravitaillement. Alors, légère, mais elle serait là, quand même. Hein. Vous, là, vous êtes en position? Pas encore. Ah, vous avez push, vous avez commencé en fait là. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, les gars. Bravo. Hein. Et oui, ils avancent par là. Toi, tu as doublé la ligne. Toi, tu vas venir là. Tu vas venir ici. Vous là. Vous venez là. Objectif fermé. Objectif fermé. Mais non. Fermé pour bloquer le ravitaillement. Là-haut ça push plus. Ici ça push, mais c'est pas moi. Si c'est moi. Stop là-haut. Pour l'instant, pushez pas là-haut. Ta-la-la. Ta. Parce qu'on a bientôt plus d'effectifs encore, hein, donc... Molo, molo, hein. Voilà, on va faire ça. Et eux, ils vont aller ici. Ah bah, en fait, je sais pas... Ouais, si, c'est pas mal. Faut juste qu'on arrive à passer là. Derrière là. Et on enferme. Et on enferme, il y a zéro port. Toi tu viens là. Toi tu viens ici. Une fois qu'ici ce sera bon, de toute façon il y aura plus de ravitaillement. Hein. Il n'y aura plus de ravitaillement. Salut Energy, j'étais même pas au courant qu'il y avait un live aujourd'hui. Ouais bah écoute, voilà. C'est un live qui était prévu, mais l'horaire ne l'était pas. Pin, pin, ta-da-da. Allez c'est bien, c'est bien, c'est bien. On push ici, on est bien. Tiens, viens prendre ça là. Parce que l'air de rien, on prend des points de ville à l'axe, hein. Enfin au Reich. Hein. Toi le Reich est à 91%. Hein. Par contre la Russie a perdu des points quoi. Comment ça se fait? Ça push là, là? Ah oui ça push ici. C'est quoi cette guerre là? Ah oui la Russie a perdu sa capitale ici en fait. Oui bah écoute. Hein? Ça ira. Ici c'est rejoint. Donc déjà là, parfait. Là ils ont plus de ravitaillement. Tout ça n'a plus de ravitaillement. On l'a réussi à couper. À couper les lignes. Push ici. Toi viens push ici. Et là on a plus qu'à finir. J'ai envie de dire tout ça quoi. On a plus qu'à finir tout ça. Vous pouvez terminer. Ok, play.
Parfait. Ailleurs, ça se passe. Là, on va... Ah non, là, j'allais dire, on va pouvoir rejoindre aussi, mais non, ça n'a pas rejoint. On a été repoussé, on sait pas trop comment, mais on a été repoussé. Pêche pas là, pêche pas là. Non. Tac, tac. Parfait. On récupère les usines. Alors le problème c'est que les usines c'est bien, mais voilà. On manque d'artillerie. On va monter la prod d'artillerie. Hein. Parce qu'en matériel d'infanterie, on a encore 458 000. 91 000 de matériel de soutien. Augmentation de la prod d'artillerie. Ça part là-dessus. Ici, ils nous envoient rien. Eux. On va peut-être demander à la Grande-Bretagne. Hein. Hop. Des pneus. Allez, on rejoint. Parfait. Comme ça, là, on est sûr que cette poche-là, zéro ravitaillement. Si on peut finir tout ça là, déjà, ça ferait un gros gain, quoi. Tu live vendredi matin? Normalement, oui. Non, au matin cette semaine, je pense que je vais pas live. Oula, pop pop, ça commence à push ici. Au live, je pense que je vais pas... Enfin, au matin, je pense que je vais pas live cette semaine. Non, ouais, d'ailleurs, c'est sûr, je vais pas live le matin cette semaine. Attendez, je vais ajouter la défense, là. Parce que ça repoche, hein. Ça repoche. Hein. Ça repoche, ça repoche. Hein. Et c'est pas positif. Ici par exemple, c'est en train de passer. Ouais, c'est trop tard même, hein. C'est passé. C'est passé. Ah, ils sont passés. Ok. Pas grave, pas grave, pas grave. Focus là-dessus. Ici, c'est good. Fais ça. Là, tu viens ici. Là, tu viens là. Là, tu viens là. Ici, on a officiellement fermé. Donc, ça push comme ça. Ça fait une très grosse ligne de front terminée, j'ai envie de dire. Ils sont encore en train de faire l'avancée. C'est pas mal, c'est pas mal. Ici, on n'avait pas beaucoup d'hommes, donc c'est un peu la misère, mais de toute façon, ça change pas le fait qu'ils vont manquer de ravitaillement. Hein. Ça change pas le fait que ça va manquer de ravitaillement. Ok. C'est front ouest. Comment ça se fait que front ouest... Ah, sud et nord... Sud ? Non, non, repoche pas, repoche pas. Ils ont pris, c'est pas grave. Front est, ok. Front... Ok. Ça marche. Bon, là, il faut juste en finir. Une fois que ce sera fini, c'est bon. Merci beaucoup, Royal Viking the best. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Et après, on va pouvoir push vers le nord. Pour récupérer tout ça. Venir fermer là. Et après, on consolide le front ouest et on n'a plus qu'à push. Et c'est fini. Ouais, c'est deck, merci beaucoup, bienvenue. On est en septembre, on a bientôt la Hongrie qui part en révolte. Alors, est-ce que ça va suffire? Ça, c'est encore une autre question. Ouais, c'est bien, c'est en train de passer, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, on est en train d'enfermer. Je lui fais perdre son organisation. Il y a zéro ravitaillement, hein. Normalement. Normalement, ça va finir par passer, hein. Ils sont prêts, l'armée chinoise?
pas encore preuve. Hein. Parce que c'est pareil, hein, ils ont pas d'organisation ni rien. Hein. Là, il y a juste à faire le push. Hein. Il y a juste à faire le push avec l'armée chinoise. Hein. On attend qu'ils soient en position et on est bien. Ici, ils ont stoppé leur offensive. Ils ont récupéré deux territoires. Bon, rien de bien inquiétant. Rien de bien inquiétant. Là-haut, bon, voilà, quoi. Ah, on a fait déjà... Ah oui, d'accord. Ok. Passe comme ça. Passe comme ça. Très bien. Ici, ça continue de se finir. Toi, tu vas venir faire ça et ça. Enlever les deux petits territoires ici. Bon, ici, ça passera pas, mais ça va finir par passer au fur et à mesure. Merci beaucoup, bienvenue, Mathéo. Je vais regarder ton live sur Jurassic Park, le jeu. Merci beaucoup, bienvenue, du coup. Bienvenue sur Twitch. Ici, on est passé là. Est-ce qu'une offensive ici peut être intéressante? Comme ça et comme ça. Ça peut faire, ça? Ça le fait, ça. Ça le fait, ça. Tiens, viens prendre ça. Viens aider à push ici, toi. Toi, tu vas tuer là. Toi, tu vas attaquer là. Normalement, il y a zéro ravitaillement ici. Hein, si je dis pas de bêtises. On va enfermer là, comme ça, là aussi, c'est enfermé. Même s'ils sont en train de percer, bah, ça n'empêche pas que c'est enfermé. Là. Hop. Tu vas venir par ici. Ça, on est sûr que ça ferme aussi. Les Chinois. Certaines divisions ne sont pas en position. Ah, elle est en train d'arriver. On va pouvoir push. On va pouvoir push. Allez, mets-toi en position, ma grande. Il n'y a aucune défense en rouge, donc tout va bien. Allez, ça push. Là, c'est du japonais. Enfin, c'est du chinois. Donc, normalement, on ne perd pas d'unité en faisant ça. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On va filer des territoires à la Russie. Hein. On va filer des territoires à la Russie. Hein. C'est le contrôle d'un état. On peut cliquer sur l'état qu'on veut donner. Ourlask, par exemple. Ourlask, je te le file. Tu t'en veux? Ourlask. Ah oui, d'accord, ok, ça le sectionne. Tiens, je te file Ourlask. Ah, attendez, lag. Je suis en train de me dire pourquoi ça le donne pas. A réussi à accepter. Boum, on lui a filé l'ourlask. On lui file, voilà. Comment ça se passe aux États-Unis là? Ils font des hommes ou pas? Non, parce qu'il faudra peut-être penser à le faire. Hein. 10 divisions. Ah bah c'est bien. Ah bah bravo, hein. Voilà qui ne sert à rien. Merci beaucoup, Ferron, bienvenue. T'as pris quelle nation? On a pris la Pologne, on a formé la République des deux nations, et on a rejoint l'Axe parce que l'Angleterre est entrée en guerre contre nous. Et là, on a trahi l'Axe après avoir gagné la Deuxième Guerre mondiale pour récupérer des territoires qui sont censés nous appartenir. Voilà, voilà. On peut filer plusieurs territoires en même temps? Ah non, on peut pas céder plusieurs territoires en même temps. En tout cas, là, on a officiellement terminé. Tu peux attaquer ici, toi. Tu peux attaquer là. Tu peux attaquer là, toi. Et après, les divisions vont se mettre en position. Attaque là. Attaque là. Attaque ici, toi. Là ici on a réussi à réenfermer, donc pareil, on va faire ça, on va faire ça comme ça, là, ok, c'est pas mal, eux n'ont pas de ravitaillement parce que pas de port, hein. Il y a des aéroports mais bon c'est quand même pas pareil, même pas sûr que ça ait un vrai impact, hein. En toute honnêteté.
On va céder les territoires. Hein. Ouais, toi t'es en train d'avancer. Lui est en train de fuir, il va se faire attraper quand il est là instantanément. Enfin, quand il sera là. Ça passe. On n'a plus beaucoup de réserves, mais le plus chiant est fait, j'ai envie de dire. Ta-la-la-ta-ta. Ah ouais, ça passe pas là. Ils sont 4 en même temps, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Parfait. Bon déjà, le Reich est coupé en 3 maintenant. Il était coupé en 2, et le voilà en 3. Est-ce que tu avais plus de followers en 2015 ou maintenant? Ah bah maintenant, hein. Maintenant, parce que j'ai pas perdu, donc... Là-haut, on va laisser faire comme c'est en train de se faire. On va pas vraiment s'occuper de ce qui se passe. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Ici, du coup, le front est officiellement terminé. Je vais filer d'autres territoires. Je peux enfiler plusieurs Ouais, on peut enfiler plusieurs. Tiens, je te file celui-là. Je te file celui-là. Ça, on sélectionne plusieurs. Non? Bon, je te file déjà celui-là. Tu me dis ce que t'en penses après. Hein? Enlever les petites taches roses, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Zbjurga! Là, on va couper ici une fois de plus, ce qui fait que là, clairement, ce sera officiellement terminado. Comment ça se passe ici? Voilà, on est en train d'avancer. On va pouvoir filer ça à la Chine. La Chine qui tient de ce côté-là, donc ça, c'est très bien aussi. La Chine qui tient ici, ce qui est très bien aussi. Là, on a une ligne de front. Bon, il faudra qu'on... Il va falloir qu'on les refasse, hein, de toute façon, nos lignes. Une fois qu'on aura fini ça... J'ai presque envie de dire que c'est obligé, quoi. Attaquer là, on finit ça. Ici, c'est passé. Vous allez enchaîner ici. Ah oui, ils ont résisté, quand même. Hein. Ils ont résisté. Le stratège. Attaque là. Attaque ici. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Attaque ici, là. Y a rien, là. Certes, t'es pas en très grande forme. Mais... Ah, attaque ici, alors. T'es pas en très grande forme, mais l'objectif, c'est de finir, hein. Zbjurga! C'est fou, hein, parce que... Hein, hop, russe, république, russe, république. Tu vois, on sait pas trop, quoi. On hésite au fur et à mesure. Tu vas avancer, là. Rejoindre ici, toi tu vas avancer ici, hop, attaquer là. Et on n'aura plus qu'à fermer le sud. C'est bien. C'est bien, c'est bien. De ce côté-là, c'est officiellement en train de passer. On a la France qui est là, mais la France, c'est un peu des chacals. Hein. Ils sont royalistes hein, de base. Hein. Ici, ils commencent à tenter de repousser, mais on a de la défense. Ils finiraient par passer au fur et à mesure, hein, j'imagine. Mais oh, ils ont réussi à push là. Hein. Ils nous ont repush un coup. Bon, après, là, normalement, on a nos. Ah non, c'est pas là. Ils sont où nos bunkers? On n'a pas une ligne de bunkers ici? Ah, ils les ont pris les bunkers! Ah ouais, ils ont récupéré la ligne de bunkers. Et non, on n'a pas tenu la ligne de bunkers quoi. Inquiétant. Inquiétant. Il nous reste 19 000 hommes. Hein. Il nous reste 19 000 hommes. Hein. On va peut-être stopper les offensives à l'est. Qui c'est qui attaque encore? Toi, t'attaques plus. On va stopper ça. Hop. Et on va repositionner une ligne de front.
réponds à ça. Attends, on va reprendre là-haut. Une ligne de front comme ça. Jusqu'ici. Repositionnez-vous, les gars. À quoi tu sers? Tu viens d'où, toi? D'où tu viens, toi? T'appartiens à personne? T'as pas d'ordre, toi? J'ai l'impression qu'il a pas d'ordre, lui, hein. Ok, là c'est fini. On va prendre ça pour finir ça aussi, parce que ça fait une ligne de front aussi qui ne sert à rien. Là, ça se termine aussi. Très bien. Bon, ça se commence à... Ça commence à aller de mieux en mieux. Ça commence à aller de mieux en mieux. Même si on est en train de perdre des territoires au fur et à mesure là, mais... on va pouvoir envoyer du renfort. Ah, ils ont push là, les gars. Et c'est pas bon, hein. Non, non, mais faites pas ça, là. Venez là, hein. Ah bah non, ça sert à rien, en fait. Non, non, ici, ça sert à rien. Ils peuvent pas passer, là. On va ajouter encore une ligne. Pour avoir du soutien supplémentaire. Le temps qu'on en termine ici. Comment ça se passe ici, là? Toi, t'as rien. Tu peux faire ça éventuellement, tu vois? On teste, hein. On peut tester éventuellement, hein. Ouais, c'est bien, on va finir là. Ouais, c'est bien. Ça, ce sera fini. Non, tu fais ça, ça, et tu viens là. Pendant que lui vient là. Et lui va tenter ça, mais ouais, ça va pas passer. Il va juste va faire ce qu'il veut, en fait. Hein. Toi, tu vas venir ici. Hop. On aura 2-3 pépères ici à venir terminer aussi, et après on sera bon. Côté Mongolie, on est en train d'avancer. Quelle misère, hein. Quelle misère. L'important, c'est de tenir à l'ouest. Au maximum, quoi. Là, ils ont réavancé d'un cran, j'ai l'impression. Ah, ils attaquent sur plusieurs fronts. Oh, full offensive. Ah ouais, d'accord, ok. En fait, on tenait, mais c'était juste parce qu'ils voulaient bien qu'on tienne, hein. On tenait, mais c'était juste parce qu'il voulait bien. Ouah. I need help. Help. Gizi et Lyorda. Je le tiens, ce territoire, ou pas, là? C'est le contrôle d'un état. Non, je le tiens pas. Qu'est-ce que j'ai comme état, là, qui me servira à rien? Ça, c'est allemand. Ça, c'est allemand. Ouais, on n'a pas assez avancé ici. Ça, c'est russe. Pourquoi il y a des possessions? Ça, c'est moi, ça. Saratov. Et Penza. Saratov et Penza. Saratov. Un petit ordre alphabétique, hein. Et Penza. Tiens, je te file ça, mon grand. Ok. Bon, il commence à pousser à l'ouest. Ça va commencer à m'inquiéter très fortement. Il y a ça aussi, hein. Mikhail Eloïka, là. Alors. Qu'on réfléchisse. Qu'on réfléchisse. Parce que là, ça nous repousse très fort. Hein. Là, ça nous repousse très fort. On n'a pas... On n'a plus d'hommes, en même temps. On n'a plus d'hommes. C'est ça, le souci, hein. On n'a plus d'hommes. C'est pour ça qu'ils nous repoussent. Là, les Américains, ils sont bien sympas, mais... Je vais faire ça et puis c'est tout. Je vais mettre là. Front ouest, il y a des gens qui peuvent être... Tiens, hop. 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 Hop.
Ah. Ok. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai des territoires par-ci par-là. Hein. Ça me perturbe. Hein. Ici, c'est qui appartient? À qui appartient cet ordre-là, là? Troisième groupe d'armée. On peut savoir à qui ça appartient, ça? Ça appartient à lui en fait. Toi, tu vas sortir de. Pas ce que je voulais faire du tout. Hop. Et toi, l'ordre ici, tu vas me le virer. Tu vas m'ajouter une ligne de front ici. Allez, on se repositionne à l'ouest, les gars, déjà. Ça, c'est pas mal. Là, normalement, les Russes sont suffisamment nombreux pour finir le boulot. Ici, on a 11 divisions chinoises qui vont venir soutenir en cas de pépin. On va dire qu'on va faire ça. Ah, fais ça déjà et on verra après ce que tu fais. Et normalement, toutes les autres sont en train de rentrer. Ici, ça push. On verra. Faut juste tenir, quoi. Faut juste tenir. Là, ils ont repoussé un coup, mais c'est pas gênant. Les divisions qui sont pas prêtes, je les laisse pas prêtes. Comme ça, je me souviens que c'est les Chinois. Et le front Est, normalement, j'ai cessé de push. Hein. Ouais, j'ai cessé de push. Et les Russes, normalement, ils ont commencé à faire quelques pépères. Donc 46 divisions. La question c'est pourquoi t'es là toi? Ah oui, c'est parce que je t'avais emmené chercher ça. Ouais, non, pardon. Yes. Bon, ça risque de passer parce qu'on manque d'effectifs. Je vais faire une demande s'ils peuvent me renforcer mes garnisons. Hop. Chine. Hop. Ah, très bien. On va recevoir 24 000 hommes. 24 000. Ouais, c'est pas la folie. Hein. C'est pas la folie. Hein. Il n'y a plus qu'à espérer que les Russes y tiennent tout seuls là-haut avec la Chine. Bon, au sud, ça va. Il reste plus que le ouest, enfin le nord-ouest, enfin le côté allemand, quoi. Ils essaient de récupérer les territoires qu'on leur a pris, quoi. Le problème, c'est que la capitale est vraiment pas loin. Comment avoir plus d'effectifs? Tu streams depuis combien de temps? Là, ça fait 1h32 que je suis en live. Non, ça continue de push. On est en train de revenir avec des unités, hein, mais ça continue de push, quoi. Ça continue de push, quoi. Pourquoi ils ont pas d'ordre? C'est qui, ça? À qui vous appartenez? À lui? Toi, t'as pas d'ordre, toi? Pourquoi t'as pas d'ordre, toi? Enfin, viens tenir, là. Viens tenir ici. On va arriver en janvier... Le coup d'état hongrois, j'ai l'impression que ça va plus partir dans le décor, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que ça va être compliqué. Hein.
le coup d'état hongrois. À mon avis, ça sent pas bon. À mon avis, ça sent pas bon. Bon, prenez les petits territoires qui restent là, ce serait plutôt plaisant. Non, ça sert à rien, c'est l'autre qui va le récupérer. Toi, viens attaquer là. Pendant que les autres se repositionnent. Comment ça se passe en Mongolie et tout? En Mongolie, on a push un cran, mais c'est pas non plus la folie. Un nouveau char de fée, pourquoi pas. Ce que je vais faire, c'est... stopper l'offensive ici, repositionnez-vous et on verra après. On a 3000 pépères qui sont là. On a renforcé un peu nos garnisons. 1000 pépères. On a plus de pépères. Hein. Mobilisation d'environ 0,09% par jour de la population des territoires. Ce qui nous fait gagner combien? On sait pas trop ça. Hein. Non? On sait pas combien on en gagne par jour. Bon, ils nous ont repush un cran, c'est pas grave. On sait combien on en gagne par jour? La Chine nous enfile pas. La Russie, tiens. Bon. Il y a un front russe ici. C'est quoi ce front là? Ah oui. Arrêtez de push là. Tout ce qui est offensif on annule et tout ce qui est défensif on vérifie. Comment ça va? Ok. Ok. Là, il se passe plus rien. Là, il se passe plus rien sur les fronts. Tout le monde en position. Enfin, c'est pas beau ça. Hein. Pourquoi c'est bizarre hein. Bon, bref. J'aime pas quand ça fait ça. Je vais filer Mikhaïovka là. Mikhaïovka. Mikhaïovka. Je peux pas te filer Mikhaïovka? Ah non, ça appartient au Reich. Ah non, c'est pas possible. Hein. Ah si, non, il est là. Tiens, je te le file. Et à la Chine, je vais lui filer... je vais lui filer ça. Attends, c'est quoi ce territoire là? Ah, c'est un territoire à Mongolie complètement, quoi. Ah, mais la Mongolie, c'est un duché, en fait, quoi. Ah, d'accord. Bon, bah, je peux pas lui filer. Ok. Comment tu as les nuques? Bah, avec les recherches. Avec les recherches, on a la Grande-Bretagne, là-haut. C'est vrai que la Grande-Bretagne, dans la popoche, on serait content. Hein. Ici, attention, hein. Commence à avoir un peu d'hommes. Et il n'y a pas tant de monde que ça non plus, hein. Ici, il y en a beaucoup. Bon, ici, il y en a beaucoup, quand même. Ouais, ici, il y en a un peu. Ce serait bien que vous fassiez plus d'hommes, vous, hein. Oh là là, pourquoi vous faites pas d'hommes? Je comprends pas pourquoi ils font pas d'hommes. On peut leur demander, peut-être. Merde, ça fait quoi? Ah non, on ne répond pas. Ah oui, c'est accepté. Ah, d'accord. Ah, je pensais qu'on pouvait lui demander. Change la conscription. Ouais, je vais peut-être le faire quand même. Fond de tiroir. Allez, vas-y, on part là-dessus. On part là-dessus. Au moins pour se refaire un stock de pépères, on rediminuera après. Voilà, il y a des contre-attaques qui sont tentées. On s'est repositionné. Eux, ça leur laisse le temps de se repositionner aussi, mais ils ont pas énormément de ravitaillement ici. Hein. Ils ont un port là, et ils en ont un là-haut. Hein. Donc c'est pas... Ah oui, après, ils ont quand même ces deux-là. Ah oui, non, ils en ont quand même un peu. Ah oui, non, 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 c'est vrai qu'ils en ont un peu. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ah, c'est qui, ça? Faut qu'on fasse les choses proprement, qu'on sache et qu'on se repère. On va y retenter de percer, là. Après, là, on a... Là, on tient, en fait. Hein. Là, on pourrait presque repêche, hein, mais bon... Patience, le temps d'avoir des hommes. Patience, le temps d'avoir des hommes. Patience, le temps d'avoir des pépères.
Bonjour, Niroyai. Et tu peux pas les utiliser? Non, parce qu'il faut la supériorité aérienne et j'ai pas la supériorité aérienne. Donc voilà. Voilà quoi. I can't. Oh, tu vas vraiment contourner toi. Plutôt que de finir avec. Après là, tu me diras. Les trois là. Si on peut fermer cette poche là. On serait pas mécontent de fermer cette poche aussi. Hein. On a 10 000 hommes là. On lui a eu un petit boost, on sait pas d'où ils sont arrivés. Parfait ça. C'est pas mal ça. On a fermé ça. On va juste patienter. Ils vont finir par s'épuiser et on est pas mal. Ok, alors. Du coup. C'est un onglet qui push. Du coup, vérifions les fronts. Ici, front ouest. Bon, rien de surprenant. Ça, c'est du front ouest, c'est rien de surprenant. Front sud. Je vais être front ouest-sud pour me repérer. Parce que... Front ouest-sud. Front nord. Ici, c'est good. Ça, c'est le front est. Tout ça, c'est est, tout va bien. Front russe. Ouais, admettons. Voilà. Et là, on est du coup parti sur le front ouest. Je vais ajouter là. Et toi aussi, t'es parti front ouest. Que je vais ajouter là. Hop. On repositionnera après, une fois qu'ils seront en place. Marine, ok. Front USA, ok. Les paras, ok. J'ai forcément raté quelqu'un là. Du coup là je peux mettre front Mongolie. Front Mongolie. Et puis voilà, ok. Bon, on a 4000 pépères en stock. Tu peux juste finir là. Ils se sont épuisés donc avançons. Qui nous attaque, nous il s'épuise. Tiens, attaque ici, attaque ici. On va finir ça. Comme ça, ça vire tout ça aussi. Avance là. Parfait. Attention, tu n'as plus de main de bois. Ouais, mais c'est juste pour finir cette poche là. Et le temps que la défense est en vert, bon, ça va. Puis c'est front est, tant que c'est pas front ouest. Mais au moins, on finit cette poche là, tout ça c'est mort. Et les unités peuvent se repositionner un peu mieux, quoi. Très bien. Très bien, très bien. Parfait. Parfait. Ça, c'est mort. Excellent. C'est à qui, ça? Mais... Possession russe, contrôleur Russie. Alors, j'ai tellement pas l'impression que c'est toi qui le tiens, ça. Manpower, homme disponible, ouais, c'est le chiffre là-haut, là, c'est la réserve militaire. Là, j'en ai 3000 en stock. Bon, je dirais que ça passe, quoi. Ici, il n'y a plus d'hommes, on est en train de récupérer les derniers territoires. Et ici, voilà, il y a un manque de ravitaillement de son côté et pas du mien. Donc on pourra contre-attaquer, sachant que là c'est front, enfin c'est les hommes chinois, hein. Donc dans l'absolu,
On pourrait potentiellement y aller, hein. J'ai presque envie de faire ça, ouais. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'hommes. Donc je peux lâcher le coin. Me concentrer sur la Mongolie, qui est en train de percer là-haut, quoi. À côté de ça, on a quand même la Russie qui est en train de faire des hommes. Hein. Ils en ont 69 divisions. Là, plus le temps passe et plus la Russie est costaud. Et c'est pour ça, les États-Unis, ça va être pareil. J'attends qu'ils finissent leur armée, là. Et les États-Unis, en vrai, une fois que j'ai fini ça... c'est très long, hein, mais... une fois que j'aurai fini ça, en vrai... aïe, quoi. Aïe, hein. Merci beaucoup, Flammer Buzz, bienvenue. Bonjour, CRS History. Il y a un moyen d'en avoir plus. Bah, il suffit d'arrêter la bataille, quoi. Enfin, les guerres. Enfin, les guerres. Les conflits, comme là, tu vois. Là, ils sont en train de m'attaquer, donc forcément, mes réserves diminuent. Mais si j'arrive à faire une période de... Enfin, sans offensive pendant un petit moment, ça grimpe, quoi. Et là, bon, j'ai envie de dire... de mon côté, j'attaque plus, je fais que défendre. Une fois qu'ils auront fini d'attaquer, tu vois, là, ça passe plus. À part ici, voilà, ça passe un peu. Ça passe un peu. Mais contre-attaque pas, en fait, tu vois. Contre-attaque pas. Oh my god! On va attendre que eux soient en position partout, hein. Parce que c'est pareil, hein, là, pour l'instant, ils poussent, mais on a toutes nos armées ne sont pas encore en position, hein. Et là, le truc, c'est que plus il m'attaque et plus ça m'empêche de me faire des hommes. Il nous a déjà envoyé 108 000. On envoie 10 000. Et après tout ce que je fais pour vous, les gars, 11 000. Voilà. Ça fait plaisir. On en est où d'ailleurs en score? Je suis à 84% de participation. On pourrait appeler l'Amérique, mais bon, pour l'instant, clairement, c'est un grand nom, quoi. C'est un grand nom. Mais ça ne bouge plus. Ce serait bien que les Japonais, ils arrivent de notre côté, hein. Tu veux pas venir avec nous, toi? Hein? Non, mais juste comme ça. On est en novembre, là. Il veut même pas un pacte de non-agression, quoi. Les Anglais, ils veulent pas nous rejoindre. Toi, qui tu quittes ta faction. Invité dans notre faction, ils voudraient, en plus. Ils voudraient nous rejoindre dans nos factions, quoi. Dans notre faction. Faudrait juste qu'ils quittent les machins. Comment ils peuvent... On peut pas les inciter à quitter. Comment faire en sorte qu'ils quittent? Comment faire en sorte qu'ils quittent leur faction? Mais tu penses que si t'as la règle, tu peux t'allier avec les USA? Les USA, ils m'appartiennent. Les USA, ils sont à moi. Les USA, ils rentrent pas en guerre juste parce qu'ils ont pas assez d'hommes. Et je peux pas tenir tout ça tout seul, quoi. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Là, il y a trop d'hommes. On va se faire rouler dessus, quoi. Si je les appelle, on se fait rouler dessus. Il me faudrait, en vrai... En vrai, je pense qu'il me faudrait au moins 48 divisions de plus et on est très large, quoi. Ils ont combien d'hommes, là, les Italiens? En vrai, c'est pas énorme, hein. 7. On est à 12. On est plus puissant qu'eux. Hein. On est plus puissant qu'eux. Enfin, en tout cas, on a plus d'hommes qu'eux, quoi. Une à 13. Potentiellement, en vrai, ça pourrait peut-être passer, hein, mais bon... sectionner la moitié division. Tac, tac. Je vais mettre un maréchal. Alors par contre, le fait qu'on ait un maréchal qui fait rien là. On va faire le mettre sur le front qui sert à quelque chose, quoi. USA, tiens, toi tu vas aller avec eux.
Et là, on a un commandant non, qui sert à rien. Non, on en a pas. Tiens, on en rajoute un nouveau. Voilà. On va supprimer cette ligne. Et on va la refaire. Comme ça, les lignes se repositionnent. Divisé en deux armées, ça commence à être un peu mieux, quoi. Rejoins la faction des Japs. Non, non, bah non. J'ai ma faction, les royalistes. Bon, plus le temps passe, plus on a oh, 109 divisions. Il y a du monde ici, hein. En même temps, ça fait tellement que le ravitaillement n'est pas incroyable, hein. Et ce qui est très bien pour moi, parce que ça veut dire que du coup, je tiens beaucoup plus facilement le front. Ils mettent beaucoup d'hommes sur le front, quoi. Là, ils nous ont repoussé un peu, mais... Ah, ils nous repoussent encore d'un cran et on a la défense des bunkers. Donc, ça va. Donc, ça va. Bon. Et ici, ils ont commencé à ramener beaucoup plus d'hommes, quoi. Là, ils pourraient complètement passer, quoi. Mais... ça en est où, les Chinois, là? Ouais, vous allez... Ouais, vous allez attaquer ça. Hein. Et après, vous allez vous mettre sur un autre front. Sur celui-là, par exemple. Le positionnement n'est pas encore prêt. On a 10 000 hommes. Ah, on a hâte d'avoir un peu plus d'hommes, quand même. Hein. On a hâte d'avoir un peu plus d'hommes. J'ai fait toutes les recherches. Hein. Seule chose que je pourrais faire éventuellement, c'est rechercher les types de chars, quoi. Ça dure un jour, quoi. Hop. Ok. Comment j'ai fait pour avoir les États-Unis? Bah, c'est sur le traité de paix, quoi. Je les ai battus et je les ai libérés en tant qu'état fantoche et je leur ai tout filé, quoi. Le Japon a pris ça en le temps que je file tout, mais... Sinon, voilà, quoi. Bon, il y a quelques pépères qui arrivent là. Tu en as pas assez d'hommes pour être sur toutes les zones, hein, donc... C'est pas assez, quoi. C'est pas assez. En vrai, clairement, le Mexique ferait tellement plaisir. Le Mexique ferait tellement plaisir. Tellement. Pourquoi tu veux pas venir? Pourquoi tu veux pas être copain? Hein? Réticence de base, moins 20. Nous sommes menons une guerre dans laquelle il risque d'être entraîné. Bah c'est bien, c'est ça qui serait beau, du coup. Toi tu pourrais amener tes 50 divisions, on va dire, sur le front nord-américain. Ce serait incroyable, hein. Ravitaillement insuffisant ici, tu m'expliqueras pourquoi. C'est les États-Unis, hein. Bon. Continue de tenter de push. En fait, ils nous font le même coup que les Russes, là. C'est push sur push sur push. Non, c'est les Anglais qui vont... Ouais. C'est push sur push. Et du coup, pas de ravitaillement. Enfin, pas d'organisation. L'État catalan. On arrive en décembre. Dans combien de jours? C'est le... Dans un mois. Un mois et on a le coup d'état en Hongrie qui se fait. Sachant que la Hongrie... c'est 40... 80 divisions. Ce qui aurait été très positif, c'était d'avoir... d'avoir... des hommes en réserve à ce moment-là, quoi. Ça nous aurait permis de push. Faites quoi, vous, là? Faites rien, vous? Vous faites rien. Allez. Tue ça. Après, je laisserai terminer de prendre tout ça. Et au sud-sud, tout ça, c'est terminé.
Là-haut, j'ai l'impression que nos alliés tiennent quand même, hein, même si les Allemands pushent pas, mais en tout cas, on tient. Et là, on commence à vraiment tenir, hein, les différentes offensives, et ça fait aucun dégât, quoi. Donc, on va pouvoir envoyer ces unités-là de ce côté-là aussi et prendre la Mongolie. Et si on prend la Mongolie. Si on prend la Mongolie et l'Empire chinois, là. Bah, ça veut dire qu'il n'y aura plus qu'à. Oh la vache, ils sont en train de percer complètement en Chine, en fait. J'avais pas vu. Aïe 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 aïe. Et ça, oui. Ok, hein. Mais nous, on n'a pas d'hommes, hein. Donc, demande avant le 20 décembre, moins 1000. Ah oui, d'accord. La Russie ne veut pas nous envoyer davantage d'effectifs. Ah, c'est sympa. Merci les Russes. Merci les Russes. Bon. Ici, ils ont réussi à reprendre un territoire. Mais n'attaquez pas. Pourquoi vous attaquez là? Stop, il suffit. Il suffit, les gars! Je veux pas faire plus d'effectifs là? Quand ça se fait que j'en ai pas plus? Un agent capturé. Ah bon bah t'attendras, hein, parce que bon là on a notre coup d'état qui est en train d'arriver. Hein. Pour l'instant je te cache pas que je peux pas vraiment t'aider. Après je tenterai un coup d'état en Italie. T'as pas ta cam? Non, jamais sur des jeux comme ça. Il y a trop d'infos partout. Je pourrais la mettre en bas à gauche, mais quand j'ouvre des trucs ça pourrait cacher les infos. Donc, je ne préfère pas. Le code du Reich allemand a été totalement déchiffré. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. On va décrypter celui-là. Ce qui fait qu'on a un petit bonus côté allemand. Enfin, contre les Allemands. Léger, mais il est là. Ils vont être obligés de venir s'occuper du coup d'état. Donc après, je vais pousser l'Italie. Je vais les faire devenir royalistes. Ça va être très long. Mais je pense que c'est l'option la plus intéressante, quoi. À moins de pousser la Roumanie. À moins de pousser la Roumanie qui a déjà un petit peu de royalistes. Ah ouais, pourquoi pas. Oh, même eux. C'est encore mieux de pousser. C'est qui? C'est qui? La Transylvanie septentrionale. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal, hein. Ils attaquent tellement, on n'a pas le temps de se refaire des hommes, en fait. Et je sais pas si. Ça avance, hein. Je sais pas si. Faut finir là-haut. Non, c'est pas eux. Ils ont pas d'organisation. À mon avis, ils sont partis d'ici. Ouais. Comme ça, ils seront officiellement morts. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus ce que je disais. Attention, là. Voilà. La révolution. Ça tombe à pic parce que là, ils sont en train de push. Hein. Ça push tellement, en vrai. Ils sont trop chiants. Hein. Ils sont tellement nombreux, quoi. J'ai pas la supériorité aérienne ici. J'ai des avions? Ah mais j'ai plus d'hommes. Ah oui.
J'ai zéro avion. Ah. Bon, on va attendre, on va voir à quel point ça va peut-être faire mal. Oh, il y a tellement de troupes. J'ai l'impression qu'on a perdu cette guerre. Hein. Faut vraiment que les États-Unis nous rejoignent et qu'on tienne, quoi. La Révolution française ne servait à rien, le monde redeviendra royaliste. Bah, les Français sont déjà royalistes. Hein. C'est juste que ils nous rejoignent pas, quoi. Il n'y a pas une option pour les faire quitter leur truc et nous rejoindre, nous, quoi. Ça ferait plaisir de les avoir. Hein. Il doit y avoir tellement d'avions. Ils ont combien d'avions, ouais. Entre 23 et 52 000. Ça commence à faire beaucoup, hein. Ouais, le Reich en a 23 000. 11 000. 11 000. J'allais dire 285 000, ça fait beaucoup. Ils sont où, les Américains, là? Les Américains, on va les sortir de là, hein, ceux qui peuvent être faits. Toi, t'en fais pas plus. Toi, tu fais pas, toi, tu fais pas. Tout ce qui est en 1 sur 1, on enlève. Ah, mais ça nous prend des hommes, en vrai. Comment ça se fait que ça nous prend des hommes? Cette division encore. Ouais, 17 divisions, ça va. USA. Sépare en deux. Là. Et là. T'as pas d'ordre, toi? T'as pas d'ordre, toi? Pourquoi t'as pas d'ordre, toi? Bah en position, pépère. Pourquoi il se positionne pas? Non, il se positionne pas. Bon, la révolution. 9 janvier. Ici, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a percé ou... Peut-être. Hein. C'est qui On se sent prêt à contre-attaquer partout en fait. Hein. Ils se sentent suffisamment forts partout. Quoi. Oh la vache, ça lag. Oh là, ça lag tellement. Il y a trop de monde, il y a trop de monde. Il va falloir tuer des gens sur le front là. Il y a un peu trop de monde. Attention, 9 janvier, c'est le 11? Yes, c'est le 11. C'est le 11 où il y a la révolution. Attention, c'est maintenant. On les amène direct dans notre faction. Attention! Et on contre-attaque. On va perdre toute notre réserve, mais... Bon. C'est maintenant ou ça n'a pas eu lieu? Ah, c'est à la fin du 11 janvier, peut-être. Le Royaume de Hongrie a déclaré la guerre à la Hongrie. Ok, bon. Vous avez des hommes, hein? On sait pas trop combien d'hommes il a. Il en a même pas, si ça se trouve. Si ça se trouve, il en a même pas, quoi. Invité dans notre faction. Il veut même pas, quoi. Demander l'accès militaire. Il est prêt à nous rejoindre dans notre faction. Mais il a même pas d'armes! Enfin, en tout cas, on voit pas. Est-ce qu'on tente de contre-attaquer? On a des ordres avec eux là ou on n'a pas d'ordre? On n'a pas d'ordre. Hein.
Tantouf. On peut passer chez eux, c'est bien, on est content. Mais est-ce que t'as des œuvres? Viens! Je comprends pas ce qui se passe là. Si, ils ont des œuvres. Hein. Après l'inviter dans notre faction, Ah si, ça va obliger eux à se reculer pour aller leur rouler dessus. Après on les libérera. Faut qu'on aille sauver Pépère aussi. Terminé. Hop. Aucun agent de nos pères dans ce... Ah, j'ai pas d'agent. Ah bon? Mise en place d'un réseau. Ah mais si je l'invite dans ma faction, il va pas appeler... Moi ouais, je l'invite. En espérant qu'il appelle pas... Il va peut-être appeler les États-Unis. Bon. S'il appelle les États-Unis, tant pis. On tente une contre-offensive ou pas? Allez, j'y vais. tu lèves jusqu'à quelle heure? J'en sais rien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pim. Là, il n'y a pas énormément d'hommes. Là, il y en a un peu, quand même. Après, c'est pas chez moi, ici, hein, mais... Il y en a un petit peu. De ce côté-là, c'est un peu la misère. Oh, ils ont réussi à push, ici, hein. Ok. Ah, attendez. On va déjà vous aider de ce côté-là. Hop. Pourquoi il y a deux lignes de front? C'est très bizarre. Ah, eux, ils en ont fini avec ça. Après, on la mettra là. Et eux viendront se mettre ici. Pour aller tenir là-bas. Alors. Qui se sent chaud? Qui se sent prêt? Ici, c'est pas si mal, hein. On tente de voir si ça fait quelque chose. Ah oui, d'accord. Ouais, non, non, zéro efficacité. Zéro efficacité. Arrête-toi, je te dis. Y'a quelque chose gassé? Ah oui, c'est zéro efficacité, quoi. Les États-Unis veulent entrer en guerre. Bah ouais, mais je veux bien, tu vois, mon grand. Mais t'as pas d'hommes. Si c'est pour que tu disparaisses, à quoi bon, j'ai envie de dire. À quoi bon? Si c'est pour disparaître. Il y a beaucoup trop d'hommes, là. Hein. Moi, je tiens pas ici, hein, et tu tiens pas non plus, hein, donc... Alors les appeler, peut-être que ce serait le côté où justement, ah tiens, je vais préparer des unités, mais est-ce que je suis capable de tenir le temps qu'ils préparent des unités, quoi? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Viens là, toi. Trop d'hommes, hein. Ils vont chercher New York direct. Hein. Tente en Allemagne. On peut tenter de push en Allemagne. Après, de toute façon, on n'a pas d'hommes, hein, donc de toute manière. Et eux sont pas encore en position.
problème, c'est qu'on n'a pas de réserve militaire, donc bon. Non, 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 c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée. On n'a pas de réserve militaire, ça sert à rien. Là, ça veut dire que derrière, ils vont contre-attaquer et on a perdu, quoi. Derrière, c'est contre-attaque et défaite. Ah mais j'ai une scène. Y'a quelque chose qui est assez. Ouais, non, ça passera pas, ça passera pas. Front sud là. Stoppez tout. Stoppez toutes les offensives. Stoppez tout les gars. Objectif. Tenir. Ça nous fait combien d'hommes en plus avec la Hongrie là? 27 divisions, ça paraît non plus la folie. Hein. En même temps, ils sont plus nombreux que nous. Hein. On est 9 millions, ils sont entre 15 et 22. Hein. Donc, bon, comment voulez-vous qu'on tienne, en vrai? C'est juste pas possible. Hein. C'est juste pas possible. Hein. Ici, ça peut le faire. Ici, on a même fermé. Ici, on est passé, en fait. Là, on s'arrête. Là, on s'arrête. Là on s'arrête. Là on s'arrête. Là on s'arrête. Et ici on s'arrête. Là, là potentiellement on peut venir récupérer ça quoi, mais j'ai pas d'homme. 37 bombes, c'est le moment d'exister. J'ai pas la supériorité aérienne, je peux pas. I can't. Non, ce qu'il me faudrait, c'est la Grande-Bretagne pourrait vraiment nous soutenir, mais ils sont dans une faction, quoi. Et je sais pas si on pourrait les... par de quelque manière que ce soit, les faire quitter, quoi, la faction. Aucune idée, quoi. Là où l'Ambator va bientôt tomber. Si on peut finir déjà ça là, on pourrait ramener au sud quoi. Enfin, c'est pas ça qui ferait que ça va tenir. Hein. Tu vois, ils sont en train de débarquer et tout quoi. Non, la Chine va tomber. La Chine va tomber. Mais pourquoi vous attaquez encore vous là? Il y a encore quelqu'un à qui j'ai dit d'attaquer là? Normalement non hein. Les États-Unis ils sont sympas de vouloir nous aider hein, mais tu nous aiderais si t'arrivais avec des hommes quoi. Tu nous aiderais si t'arrivais avec des hommes, quoi. Bon. Sauver Pépère. Ouais, c'est que t'arrives sans hommes, quoi. Ça se trouve, il faut les appeler, hein. Et que ça tiendra, et j'en sais rien, mais. Non, c'est pas là, c'est là. Je vais stopper. Ah, j'enlève tout. J'enlève tout. J'enlève tout. Je vais aller chercher un modèle américain. Simple.
Mais je comprends pas comment ça peut me prendre mon effectif. L'objectif de ça, c'est pas normalement de justement pas avoir à prendre mon effectif. Je pose la question. C'est pas ça? Comment ça se fait que ça me prend mon effectif? Faut gâcher un incroyable sur l'étape. Ah ouais? Film des armes à la Hongrie. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Là, je te file 584 en une fois. 376 en une fois. Oh, j'ai zéro convoi quoi. Ah, je sais pas trop. Est-ce que c'est faut que j'appelle les États-Unis? Est-ce que je les appelle pas? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que les appeler c'est assurer la défaite? I don't know. I don't know. I don't know. Je viens de gagner l'étape. Ah ouais? Bon, bah, c'est réglé. De toute façon, le Tour de France, on va dire. Quinze %, 13%. Je sais pas si je peux. Ah, je me disais comment ça se fait que. Quelle misère quand tout le monde arrive. C'est ça. Est-ce qu'on peut infiltrer l'armée pour renseignement? Ouais, on peut pas. On peut pas organiser de coup d'état sur un territoire fantoche. We can't. We can't. Du coup, si on peut pas, ça sert à rien de le mettre, quoi. Je vais mettre un réseau d'espionnage en Italie, et puis... on va prier pour le coup d'État italien. On va prier pour le coup d'État italien. Oh, les contre-attaques. Les contre-attaques partout. Je vais essayer de passer pour venir chercher ça, mais ça ne suffira pas. On manque d'effectifs. C'est ce qui nous fera perdre cette guerre, j'ai l'impression. Le manque d'effectifs. C'est à qui ça? Oh my god!
L'espoir, c'est la prise d'Oulan-Bator qui en finit avec la Mongolie. On prend cette zone-là. On vient se positionner là. Et les États-Unis arrivent. Les États-Unis n'ont pas d'hommes aussi, ils en forment pas! Quelle misère! Les Russes, ils sont à combien là? 86. Après, plus le temps passe, plus les Russes en ont, j'ai l'impression, mais. Mais il faut en finir avec, avec la Mongolie parce que ça les oblige à avoir un front énorme ici, quoi. Ah, mais il y a eux aussi. Ah, ouais, il y a là aussi la Chine des Kings. Ah, on est en guerre aussi contre eux. Mangoku là. Ah, il faut finir là, là et là pour que la Russie puisse venir soutenir la Chine et moi à l'ouest, quoi. Ah, si le Canada n'était pas un fantoche, hein, j'aurais dû y penser sur le traité de paix. Hein. Clairement, ça aurait pu nous servir. Hein. Je les appelle ou pas? En même temps, les appeler, c'est la possibilité de demander un renfort de garnison. Hein. Sûr qu'on est juste pas assez pour tenir, hein, donc ça me fait un peu peur, quoi. Ça me fait un peu peur. Légèrement. Bon, voilà, la Hongrie, c'est terminé. La Hongrie, c'est finito. Ici, on est en train de repousser. Je vois pas comment je peux récupérer d'effectifs. Hein. Ici, ils nous ont repoussé un cran aussi. Ah non, c'est les Anglais qui push. Avec de l'effectif, ça changerait tout. Hein. Avec de l'effectif, ça changerait tout. Parce que là, les renforts, enfin le ravitaillement de toute cette zone-là, il se fait par les capitales, je pense. Donc faudrait prendre la... T'es juste chiant en fait, toi, d'attaquer par ici. Faut te le dire ou... On finit là et là. Ouais, tu te repositionnes. Attends, je vais diminuer ton front ici. Pour que vraiment tu viennes t'occuper de là. Objectif. Oulan-Bator. Mais t'es en fond de tiroir ou quoi là? Bah oui, j'y suis. J'y suis. Tu vois, on a pris un boom, un 20 000. Mais ça disparaît instantanément, quoi. Ça disparaît instantanément. C'est tendu, hein. C'est dans le mal niveau effectif, t'as toujours la possibilité de supprimer une armée qui ne te sert pas pour renforcer les fronts importants. Mais j'ai l'impression que j'ai pas d'armée qui me sert pas. C'est bien le souci. Parce que j'ai qu'un seul vrai front et c'est celui-là. Donc et là-haut. Et si je supprime des armées là, je pense qu'ils me contre-attaquent. Et puis de toute façon ici ils sont renforcés. Donc à moins que les gars meurent comme ça sur le front, sans guerre. Mais là il n'y a pas de bataille. Le seul front où je perds mes unités, c'est ici. Là-haut, ça va, ils attaquent plus vraiment. Ah, c'est tendu, hein. C'est tendu, hein. 22 février, là, ok. On va tenter un coup d'état en Italie. Lent, et... ça peut faire mal, quoi.
Ça peut faire mal. Malheureusement, on pourra pas le faire ailleurs, donc... Ça pourrait être bien si ça passait là. Oulan-Bator. La Mongolie, elle en est où pour la capitulation? Il y a tellement de monde. Ils sont où les Mongols? Je les ai même pas vus. Nouvel empire mongol. Ah ouais, non, ils sont pas du tout sur le point de capituler quoi. À moins que ce soit 200 000 points ici. C'est 5 points. Ils ont pas de ville en même temps. Je sais même pas où tu vas prendre des points. Ah ça y est, on est passé. On va prendre la capitale. On va voir ce que ça va faire. Si ça peut déplacer quelques troupes, ça peut être intéressant. En même temps, je comprends pas trop comment... Enfin, pourquoi je perds des divisions... Enfin, je perds des unités quand je fais des divisions des alliés, quoi. T'as demandé à un allié de remplir tes garnisons. Ouais, la Chine et la Russie, ils veulent plus. Ils m'en ont envoyé de trop, donc... Et là, je fais plus d'hommes normalement, donc ouais, je fais plus rien là. La Hongrie a capitulé. On est content. Non, mais c'est parce qu'ils nous attaquent trop. Hein. Ils ont tellement de divisions sur le front. Ils ont tellement de divisions, quoi. 130 ici. 132 là. Tu vois, je suis 75 et 5, 80 pour en tenir 132, quoi. C'est un doux. Faut qu'ils arrêtent de m'attaquer, mais c'est pas dans leur intérêt. Hein. Eux, ils ont raison d'attaquer. Hein. Bon, allez, ici on tient. Oulan-Bator, du coup, là, on est en train d'arriver dessus. Tu as supprimé ce front-là. Merci beaucoup, salut, bienvenue. Vas-y, passe à Oulan-Bator, là. Voilà, Oulan-Bator étant tombé. Maintenant, maintenant, bah, on sait pas trop, quoi. Ça. Est-ce que ça fait quelque chose? Ils l'ont mis où, la capitale du nouvel empire mongol? Nulle part, parce qu'ils en ont pas, quoi. Ils ont qu'une ville, les Mongols. Comment tu peux faire céder les Mongols si t'as pas t'as pas de ville à prendre? Ah si, il y en a une là. Mais c'est pas là qu'ils ont mis leur capitale aussi, donc elle est où l'autre? Je comprends pas où est la ville. Bon, en tout cas, on a enfermé, ce qui fait que le ravitaillement vient que de là, je pense. Donc normalement, tout ça, ça va finir par mourir. Bonjour, Général Wing. Fais comme pour le débarquement, tu construis les armées gonflables sur un front et tu envoies les... pas sûr que ça marche. Malheureusement, pas sûr que ça marche. Ça aurait pu être beau. Alors, j'avoue que je pensais que les fantoches en manpower ce serait intéressant, mais puisque ça me prend des unités, ça me sert à rien en fait. Hein. Ou alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est utiliser du manpower genre russe pour renforcer le front ici et supprimer des divisions, enfin des armées à moi, ce qui fait que ça m'augmenterait. Ah, peut-être. T'as la possibilité de faire un schéma de division de garnison moins coûteuse en hommes. Si tu as beaucoup de territoire occupé, tu peux en récupérer pas mal. T'as la possibilité de faire un schéma de division de garnison moins coûteuse. Eh, c'est vrai qu'on pourrait faire un truc comme ça. Mais après, moi, c'est la peur de... Là, c'est du chinois, en plus, qui tient. Donc, moi, c'est la peur de... Ça, c'est du 20 en l'air de combat, quoi. C'est même pas du 40. Hein.
Mais c'est vrai que c'est ce que j'allais dire. Il y a peut-être la possibilité de diminuer un petit peu la puissance de feu, on va dire, mais ça me fait peur. Crée des unités russes, il faut les rejoindre ton front. Ouais, bah ouais, mais enfin encore une fois, t'as vu, je faisais des Américains et ça m'utilisait de mon manpower à moi, quoi. Et ça, je comprends pas. Faut que je fasse ça, en fait. C'est ça ou rien, quoi. Là, ça me prend absolument rien à moi, quoi. Je vais les mettre là. On va voir. On va faire, on va voir. Au fur et à mesure, je supprimerai de mes divisions. Après, je fais Chine, mais c'est pas forcément la meilleure idée d'avoir fait chinois. Hein. Parce que les Chinois, ils sont en galère. Ouais. Je leur ai pris de la puissance, quoi. Ouais. Voilà, de toute façon, ça tombe. Là, de toute façon, c'est en train de tomber. On va tuer beaucoup d'hommes, là. Il contre-attaque de ce côté-là. Diminuer le front. Diminuer le front. Les Russes, ils font des hommes. Ils étaient à 80 et quelques. 91, j'aurais dit, tu vois, 93. Ils en font, quoi. Ils en font. Pas trop. Alors, attends. Prendre des Russes. La division de base russe, là. Ah, mais j'aime pas le fait qu'il y ait de l'artillerie, en fait. Parce que ça se trouve, c'est ça qui me prend des unités à moi, quoi. Bon, ils ont des divisions un peu plus costauds, quoi. T'as pas une division de chèvres? Oh non, ça bug. Sinon, créer des unités russes, il faut les faire. Ah oui, non. Ah, ça, tu utilises le manpower. Ouais. Je sais. Mais normalement, c'est pas censé utiliser mon manpower. Ça. Normalement, j'utilise le manpower chinois, quoi. Enfin, c'est ce que vous m'aviez dit. Vous m'avez dit que c'était tout l'intérêt d'avoir des états fantoches. Alors que moi, je veux bien, hein. Malheureusement. Une filette de chasseurs à réaction, c'est sympa. Hein. Faut qu'ils arrêtent d'attaquer, en fait. S'ils arrêtent d'attaquer, genre pendant un an, on est très bien. On est très bien. En même temps, au bout d'un moment, ils vont finir par se dire, bon, ça passe pas, quoi. Là, j'ai la supériorité maritime. Hein. Ouais, à peine. Hein. À peine, hein. Là, je l'ai, mais là, c'est à peine. Hein. C'est au moment où je vais la perdre, boum, les débarquements là, et je pars en dépression. Bon, faut juste qu'ils arrêtent d'attaquer, quoi. Juste ça. Bon là, eux, clairement, c'est mort. Hein. Mais vous pouvez pas attaquer, là, franchement. Passer à l'offensive, y a plus rien. Vous attaquez, c'est terminé. Hein. On en termine avec ça, je suis obligé de tout faire. Comment on s'en sort, derrière? Comment on s'en sort? C'est trop lent. Trop lent pour finir ce qu'il faut finir. C'est le plus frustrant. Alors que tu passes à l'offensive là-haut, y a plus... c'est fini, hein. Ils ont plus d'organisation. C'est rien. Hop, tu passes là, c'est fini. Enfermé. Salut, merci, bonsoir. Faut y aller, hein. Comme ça, derrière, on s'occupe d'eux. C'est fini. Et on peut amener nos troupes là.
Non? T'as pas envie? Après, le temps que ça attaque pas là, quoi. Ah, mais ça attaque là-haut, hein. Ah, c'est les Anglais, hein. C'est les Anglais qui attaquent, là. Ils veulent récupérer. Moi, c'est pas mon envie, hein. Envie, c'est d'avoir des gens. Il s'est passé quoi depuis le début du live? Je reviens du boulot. Bah, il s'est passé différentes choses. On a récupéré tout ça. On a récupéré tout ça. Les Allemands, ils sont en train, enfin, ils sont en train de push de plus en plus ici, mais on essaie de consolider. On tient un peu. On tient un peu, mais on a un très gros manque de manpower. Et la Chine est en train de se faire grignoter, quoi. Nous, on est en train de prendre les Mongols. Et les États-Unis refusent de faire des hommes. Et ça, c'est vraiment une compréhension incompréhensible pour moi. J'avoue que j'arrive pas à comprendre. C'est tellement illogique. Si à la limite, on pouvait leur dire faire des hommes, tu vois. Mais là, j'ai même pas l'impression qu'on puisse. Donc, je comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux avoir un fantoche qui fait des unités s'il est pas en guerre, quoi. On est avec les Anglais et les USA. Je suis pas avec les Anglais m'envoient juste des hommes, on est alliés quoi. Enfin on est alliés, on est en pacte de non-agression et puis je pourrais les inviter mais ils refusent de quitter leur nation, enfin leur faction. Ce qui est vraiment dommage parce que la faction, bon, elle leur sert à rien quoi. Ici on est good? Bon ici on a sauvé. Alors attendez. Promotion d'idéologie. Zéro. Ah ben voilà. Positif. L'idéologie de royaliste inexistante là-bas. Ce qu'on veut, de toute façon, c'est bête, hein, mais. C'est finir. Enfin, c'est avoir des pépères. Hein. Faut pas suivre ce live pour en apprendre sur l'histoire. Ah oui, non. Clairement, non. Attaquer, les gars. Attaquer. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. L'intérêt de faire des hommes avec leur manpower, si c'est pour que ça utilise le note. Alors c'est peut-être en réduit, mais bon. Au niveau où j'en suis, ça me fait mal quoi qu'il arrive quoi. Après pour contre-attaquer, de toute façon ça va être une misère. Hein. On sait qu'ici c'est très faible. Et ça pourrait être la facilité, on va dire. Mais de toute façon, il nous faut plus de pépères. Hein. Ça fond comme neige au soleil. On n'arrive pas à rester plus d'une semaine, enfin ouais, même pas plus de 3 jours, plus d'un jour j'ai envie de dire même, hein. Avec des effectifs en réserve. Ce qui montre bien un vrai problème. Alors même qu'on n'est plus vraiment attaqué quoi. Là les offensives se font beaucoup plus rares quoi. Les USA sont toujours communistes? Non, non. Les USA sont pas communistes, ils sont devenus royalistes, mais là ils sont en train d'être poussés au niveau communiste et fasciste qui est pas loin non plus. Oh, il faudrait juste. Tu me fais 30 divisions et j'estime qu'on peut tenir. Après, si ça se trouve, ça tiendra suffisamment longtemps le temps qu'ils créent des armées, hein. Parce qu'il doit falloir juste le temps d'entraînement. Hein. C'est possible, hein. Parce que le Canada, bon. Ouais, c'est quand même un peu de division. Hein. Possible, hein. C'est qui le roi des USA? Le roi des USA s'appelle Eugene Maxway. Eugene Maxway. On y retente là-haut. Oh, puis ça va passer là, quoi. Oh, ils sont en train de me grignoter. Hein.
ça me grignote, hein. Oh, je vais faire les premiers là. Qu'est-ce qui me manque là? J'ai plus de matériel d'infanterie? Ah oui, non, d'accord, c'était le temps que ça renvoie. Je me disais, attends, j'avais quand même plus de 400 000. Quand même pas ridicule, quoi. On va faire ça. Et vous, je vais vous ajouter sur le front nord. Une armée de plus là-haut. Une armée de plus là-haut. Parce que ça grignote, quoi. Après, si c'est eux qui demandent d'entrer en guerre, c'est qu'ils estiment en capacité d'apporter des choses. Bah, j'imagine que oui, mais le problème, c'est que j'ai vraiment peur qu'ils se fassent rouler dessus. Mais après, c'est sûr que non. Hein. Enfin, je vois pas comment, mais... j'ai peur, le fait qu'ils aient que 12 divisions, j'ai peur. I'm afraid. On a sonné à ta porte, non? Ouais, mais normalement, ça ira. Ah bah, attendez, on va couper la vidéo, d'ailleurs.